Et yo tout le monde, c'est Poupin, du coup on se retrouve pour un nouvel épisode de RimWorld. L'épisode, je ne sais plus combien, là je suis totalement perdu. On s'était chopé une équipe de Manhunter cochon, et puis on va en rescue un parce que on a un de nos cochons qui est mort. Qui s'est fait attaquer par un warg. Ok, donc toi tu vas préférer aller soigner le cochon que soigner Rissa. Bon, oh bah t'es gentil toi. Ah, t'es toujours dans la gentillesse toi. Bon, tant pis. C'est ouf notre médecin. Hein. Que je dise pas vraiment pas de bêtises, oui, c'est ouf. Du coup, toi, tu vas te reposer dans ce truc-là. Et toi, tu vas le... Non, pas le heal, pas le heal. Je me suis trompé. Le tending, s'il te plaît. Merci. Pas qu'il chope d'infection. Normalement, ça devrait être ok. Et lui, on va le soigner. Ça devrait... Ah, il s'est fait couper un œil. Oh, il est mort. Oh, il est mort dans pas longtemps, lui. Faudrait lui dire juste tu le ouais, tu y vas à la main. Merde, j'ai foiré. Cochon, reste avec moi. Non. Non. J'avais pas vu, j'avais oublié. Non. Je suis trop con. Est-ce que j'ai reset l'épisode là-dessus? Ah mais j'ai pas sauvegardé, non. Ça m'a fait peur. Vous avez vu le sursautement? Non, non, par contre, il nous brûle pas nos canapés. Hein. Oh, ça, c'est du... J'allais dire du Louis Vuitton, mais je me suis dit qu'il faisait pas la même marque, en vrai. Non, 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 ça, mec. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui fait des beaux canapés? Je sais pas trop. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon, on est large. On a perdu l'autre cochon. J'ai été très con. Mon mauvais. Bon. Carpet, on est en train de faire les carpets. Sinon, pour la sécurité, l'autocanon, on a besoin de 42 places d'acier. Ah. Et là, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, nanana, elle se fait chasser par des pirates. Elle a besoin de rejoindre ma colonie. Elle a 45 ans. Et je vais devoir combattre des pirates si je l'accepte. Et qui est composé de 3 drifters. Donc on s'en fout parce que je te choisis pas. Comme d'habitude. Hein. Et là, est-ce que vraiment c'est rentable? Est-ce que plutôt je ne le mettrais pas là? Si. La réponse est unanime. Oui! Oui, j'ai fait un peu de théâtre étant jeune. C'est vrai que voilà, c'est ce qui ressort en me regardant. C'est le théâtre. C'est avant tout le théâtre. La passion. Et puis voilà. Bon, on a les tourelles qui sont ici. Ça qui va être fait bien plus tard parce qu'il me faut du plastacier. Et puis on verra tranquillement. Je fais pas des défenses avec beaucoup de tourelles. Hein. Vous l'avez remarqué, ça va être beaucoup mes colons qui vont se battre. Mais c'est le but. C'est vraiment le but. Tu t'es chopé une infection. Fait extrêmement chier. Merde. Mes tourelles, va falloir que je les. Que je les alimente en électricité et je pense qu'on va aller affronter le Trumbo, le petit Trumbo. Même si je pense qu'avec son fusil, lui, il va rien toucher. Du coup, on va prendre un pistolet électrique. Il me semble qu'on a un pistolet, ah, un pistolet électrique. Voilà ça. On a ça. Et uff, tu vas pas rester au couteau, tu vas sûrement prendre un petit pistolet. On verra comment se défendre et on tournera autour de la tourelle pour temporiser parce qu'on n'a pas trop le choix. On va faire passer l'électricité ici. Sachant qu'évidemment l'électricité avec les tourelles va être contrôlée par un contrôleur. Enfin, par un power switch. C'est-à-dire que dès qu'on n'aura pas de tourelle, évidemment, on appuie sur le bouton off, ça ne nous bouffe pas d'électricité. On est tous contents. Voilà. Alors, nous allons déjà anticiper que les tourelles. Enfin, où les tourelles vont être, bien évidemment. Sinon, ça serait très con. De ma part. Je pense sincèrement que là, ça va être connecté. Comme ça. Je pense que ça se connecte là-dessus. Et puis elle devrait se connecter aussi. Non, c'est 8, je crois, pour se relier. On va mettre un petit power switch tranquillement. Lorsque, comme ça, ouais, vraiment, dès qu'on n'a pas d'attaque, on éteint les tourelles. Et puis, ce sera fait. On mettra des mortiers, évidemment, au fur et à mesure. Hein, on rajoutera des défenses de dingue pour s'optimiser, bien évidemment. Il me manque quoi déjà pour faire ça?
Les 20 places d'acier, ça c'est sûr. Les tapis vont être faits par Sly. Nous avons. On n'en a pas un peu plus là, 80%. Bon. C'est pas très grave. Je sais pas combien on peut faire. On a quoi? Ok, encore des réfugiés. Non. Les tapis, les tapis, les tapis, les tapis. Floor. Bah, on peut pas savoir en tout cas combien il me faut pour cette salle. J'ai combien de. J'ai 180. Ok. Toi, tu vas bientôt péter un câble avec des tapis. Tout ira mieux, Sly. Promis. Je promets, mais. Chut, faut pas lui dire. Mais c'est pas sûr. Hein. Qu'est-ce qui nous bouffe beaucoup plus d'électricité? Pourquoi on a vraiment. Ah, mais c'est pas. Je suis con. Ça a sauté. Toi, t'es en train. Mais t'es en train de planter. On est passé en. On est passé en. À la saison de des plantations. Parfait! On replante du riz. On va planter du hill root. On va planter. Un peu plus de coton et de la bouffe pour cochons, bien évidemment. J'aimerais bien qu'ils me remettent des manhunters avec des cochons, ça me ferait extrêmement plaisir. Les Trumbo, le Trumbo va être chassé. Ça, nous le savons, celui-là va être chassé, sachant qu'on en a loupé un la dernière fois. Toi, tu plantes, tu plantes, tu plantes, c'est bien. On a encore 86 de bouffe, on est large. Extrêmement large. Niveau caillou, non, tu veux plus couper, toi? C'était Rissa qui coupait. Toi, tu es. Infection 26%, alors que. L'immunité est à 40%. On est extrêmement large. Toi, en plus, tu l'as. Voilà. Tu lui mets un petit soin en avance parce que t'es un génie. Bon, ça devrait passer là. Ça, ça va être fait. Rissa est au lit, évidemment, pour soigner son truc. Par contre. T'es mort par quoi, toi? T'es mort par un grizzly? Mais t'es nul! Et toi, t'es mort par quoi? Par le Megasloth. Mais qui a tué qui en premier? Megas. Je crois pas que le Megasloth se soit fait manger. Je sais pas qui est mort en premier en vrai. Là, c'est là il y a eu du fight. Qui est mort en premier d'ailleurs? Vos avis sur la question. Lui ne mange pas d'animaux. Mais il a pas de traces de. Ah si, il a peut-être. Ça, il s'est fait peut-être manger par ça. Ou alors c'était pendant le combat, je sais pas trop. Bon, cool. Parce que ça. Eux, par contre, ils vont donner méga. Bah, vraiment énormément de bouffe. Alors, eux, niveau bouffe, ils peuvent pas. Oh, ils y vont. Alors là, c'est. On va se mettre bien avec toute la bouffe. Par contre, du coup, l'autre Megasloth, j'aimerais bien qu'il ne combatte pas. Je trouve. Il était par là, non? On a de l'or, ouais. Il est où l'autre Megasloth? Je suis con, maintenant on a ce truc là. Bah. Oh non, me dis pas qu'il n'y en a pas deux. Oh, le deuxième, il a dû se barrer, il y a eu un souci. Aïe aïe aïe, et merde. Du coup, bah, on a plus de Megasloth sur la map. Bon, c'est pas très grave, en vrai. On a toujours notre. Il est où mon Trumbo? Me dis pas qu'il s'est barré maintenant. Il est parti. J'étais archi chaud pour les combattre. Aïe aïe aïe, catastrophe. Bougre Dieu. C'est comme ça qu'on dit, non? Ok. Alors c'est quoi? Ça, on va pouvoir faire du cacao. On pourra faire du chocolat, ok, pas très. Enfin, intéressant en vrai, mais bon, un peu la flemme. Du matériel stérile, ça me. Plus à sec. Orage à sec. Va falloir aller éteindre les feux. Si on veut pas que toute la map explose. Ça va, on n'a pas trop d'herbe. Il pleut pas là, on est d'accord? Ouais. Au feu! Allez éteindre ça, sinon ça va s'étendre. Il y en a un autre. Là, aïe 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 aïe. Stop! Unité de 76%. Et ça s'expire dans 2 heures. Aïe aïe aïe, catastrophe! Ça s'étend là! Ici!
Sachant que en général, il n'y a pas de pluie hein, derrière. S'il y a de la pluie derrière, j'ai vraiment beaucoup de chance. Non! Dépêchez-vous! Sachant que Rissa, t'as une infection sur la gueule. Et là, si tu tombes maintenant, ça me mobilise deux personnes. Clear, ok. Clear, sauf que t'as pas enlevé le feu. Et lui, il va galérer tout seul. Oh, Rissa qui pète un câble alors qu'elle a une infection sur la tête. C'est pas grave. Oh, et ils attaquent immédiatement. Non, mais tu te fous de ma gueule! Oh là, alors là, par contre, c'est du foutage de gueule. Hein. Toi, t'as une infection majeure sur la gueule. Toi, tu vas me péter un câble dans 2 secondes. Et toi, t'es au couteau contre un raid. Et si je tombe, ils vont en avoir marre. Et en plus, il y a du feu sur notre base. Et les mecs vont en avoir marre. Ils vont le prendre en otage et vont se casser avec. 100%. Cours. Cours très vite, Uf. Cours très très vite. Sly, si je le mobilise, il va péter un coup. Il va péter un câble. Et j'ai pas mes tourelles pour aller me défendre pour l'instant. Il y en a un qui est plus en retard que l'autre, ça m'arrange. Hein. On va le faire tourner un petit peu en bourrique. Ouais, j'ai utilisé le mot en bourrique. Touche au moins une balle. Sly, t'es une catastrophe de la nature. T'es chopé une balle, mais pas une assez grosse balle. Et maintenant, j'en ai deux à gérer. Tu vas me faire tilt. Sly, t'es un boulet. T'es un boulet fini. T'es nul! T'es naze. T'es juste nul, Sly. Ok, toi tu t'es pris masse dégâts. Ok, ils fuient, mais ils sont morts. Ok, tu t'es chopé quoi? Ok, tu t'es rien chopé de grave. Toi par contre, t'as bien tapé au corps à corps. Ok. Eh bah là, tu vas. Ouais, tu vas faire le feu, sauf que. Là, j'ai même pas le choix de le laisser faire, parce que là, il faut que j'aille me soigner en fait. Avec l'autre débile qui est en train de péter un câble alors qu'elle a une infection sur la tête. Faut pas que eux se chopent de. Et en plus, il y en a un qui est en train de mourir de faim. Rissa qui a besoin de médicaments. Sachant qu'avec son infection, elle va tomber par terre. Elle va tomber par terre. Dans 93%, ça va. Mais elle va tomber par terre, je vais devoir aller la chercher, cette débile. Sachant que, en gros. Vas-y, va le tending. Faut que tu le tending là. Le feu qui se propage. Va falloir que j'aille le gérer, mais pas maintenant en fait. Je peux pas là. Mental break. Ah! Tout arrive au mauvais moment! Ah merde! Ah, je suis pas bien. Oh, et c'est un boomalope qui devient fou. Mais! Et en plus, je vais le faire sauter. Je vais le faire exploser. Il va mettre le feu. Il avait de la bière sur lui. Sly, tu vas devoir boire un coup, hein, mec. Oh là là, j'en ai rien à faire. Toi, tu te bois un coup maintenant. Oh, non! Il est déjà là. Ok, t'es une. Quand je te dis que t'es une catastrophe de la nature, t'es pire qu'une catastrophe de la nature. T'es naze. T'es nul. Vas-y, mets un coup à mêlée, au moins. Oh, il stun. Oui! Ok, tu te casses. Tu t'en fous. Tu t'en fous de lui. Drink. Prends un shot. Mec, tu t'en fous. Tu vas chercher Rissa. Ils me font tilt. Mes colombes font tilt. Prends un coup. Voilà, ça va te remonter un petit peu ton moral. Pour pas que tu me. Parce que là, si. S'il me claque. Si lui part en mental. En souci mental. Heureusement qu'il n'y a plus d'herbe. Hein. Heureusement qu'on est en hiver. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'as l'air content. T'as l'air surtout plus con que tant. Mais. Merde! Je suis pas bien. Je suis absolument pas bien. Ratio. Tain, on était là sur.
il va taper les animaux, ce con. Enfin, notre seul cochon qu'on a, en fait. Il va le tuer ou il va juste le taper? Il fait quoi? Mais il l'a abattu, ce con! Il ne restait plus qu'un cochon, donc pourquoi pas deux? Pourquoi pas les deux? Du coup, on va pas mettre pour les autres, hein, vous avez déjà dû le voir. Oh oui, la pluie. Oh la pluie. Oh qu'est-ce que je t'aime. Vous avez pas à voir, je vais pas mettre colonie de cochons du coup. Parce que. Voilà. Ok. Rissa, ça va. Non, Sly, ça va pas du tout. Tending. Tu le tending direct. Tending instant. Toi, t'as un gros souci. Mais t'as déjà développé l'immunité, tu me fais chier! Ok, c'est bon. Elle, elle a développé l'immunité. On est content. Tu vas aller dans le lit, du coup. C'est toi qui vas aller dans le lit. Et c'est toi qui vas te faire heal en premier. L'autre, elle a des trucs mineurs sur elle. On s'en fout. Elle a pété un cap. C'est de sa faute. Sly, c'est à toi d'être soigné. Uf, t'es en train de nous péter un cap. Tu vas nous choper une... Tu vas nous choper un truc. Ok. Bon, on n'a plus de cochon. Bon, la prochaine fois, on gérera mieux le truc. Là, on va stacker la bouffe pour eux, etc. Il y a lui qui s'est relevé. On va aller là-bas très vite. T'as toi qui est en train toujours de péter un cap. Toi, t'es en heal. Ok, toi, tu vas faire ça. Toi, niveau heal, t'es bon. T'as juste faim. Tu vas l'attending, puis après, tu vas manger. Putain, il a battu notre cochon et je pouvais pas l'arrêter. J'étais tous en... J'ai eu extrêmement chaud quand même. Hein. Vous avez pu le voir, j'avais les trois personnages incontrôlables. Incontrôlable, et je déteste ne pas contrôler mes personnages. Après, je comprends évidemment. C'est c'était pas un bug du jeu, hein. C'était très clairement mérité, mais aïe 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 aïe, catastrophe. Ok, tu te manges un petit repas. Attends, qui a mangé le repas? Ok, uff, t'as faim, j'ai rien à faire de toi. On se chope combien de pourcents? 100% de chance d'infection, 108%. Parce qu'elle a dû saigner quelque part, il doit y avoir de la poussière. T'as l'immunité et t'es soigné. Sans que ton... Dans ma nutrition... 26%. Ok, majeur. Va manger. Prends un repas en plus. Ça vous donne 5 de bonheur en plus. Genre... Ça, je suis pas chiant avec vous. Je vous donne des trucs quand même. Enfin, après, vous allez dire 5, c'est pas beaucoup. Mais je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Il y a la mitraillette de Rissa qu'il va aller falloir chercher. Parce qu'elle se prend pas mal de dégâts du coup de la pluie. Qu'elle va aller chercher elle-même. Toi, tu l'as fait tomber par terre, tu la reprends. Équipe. Tu me l'équipes. Toi, t'as ton arme, toi, t'as ton arme. Ok. Va falloir que je trouve mon plastacier. Pour pouvoir faire notre cher shield. Parce que j'en ai bien besoin. 20 plastaciers ou alors voir avec les colons. Va falloir que je mette une console de communication aussi. Ce serait plutôt pas mal. Du coup, niveau électricité, là on est bien. Va falloir que je fasse vraiment la console de communication. Sinon, là. Là, ouais, bah on. On a survécu à cette catastrophe. Désolé pour cet épisode, hein, si j'ai énormément crié. On va dire que j'étais pas confiant du tout. Ici d'ailleurs, on n'a pas mis de chaise. On n'a pas mis de tabouret. On va lui dire de lui en mettre un quand même. On a une chambre en plus d'aménager, bien évidemment. Et puis on est plutôt pas mal. On a un cochon de mort, encore une fois. On a. On a un peu de viande. On a 1400 de viande. On est bien. Ce boomlop là traîne dangereusement dans ma base. Ok, bon, ça va. Le boomlop qui est blessé, il est là. Il va sûrement mourir très vite. On va pas trop l'embêter en vrai. Toi, tu manges et puis tu vas repartir à la guerre. Hein. Tu vas faire quoi, Uf? Tu vas te reposer. Je suis pas trop chaud, mais bon. Malnutrition en plus. Ça va s'enlever. Toi, c'est pas encore enlevé. Si, toi, c'est enlevé. Ok, t'as toujours l'immunité. Ça te. Tu chopes quelques malus, du coup. Mais bon, on fait vraiment comme on peut. Ok, ordre. Miné. Si. Tu mines ça. Tu as miné ça aussi. La pluie a cessé, donc on va pas chasser le boomalope. Bien évidemment. Ok, bon. Ce raid était vraiment très, très,
très mal est très très mal arrivé. On a combien de style? On n'en a pas. On a pas, va falloir attendre qu'il mine un peu. Elle est en train de mettre les blocs de marbre. Voilà, 420 HP. Ça va. Ça fait le café. Ça fait largement le café. On va pouvoir faire la plupart des murs ici. Hein. Évidemment, on va pouvoir faire les sacs qui demandent un peu plus, sachant que je n'ai pas de style. Mais je voulais vraiment préparer ce petit design, entre guillemets, de base, comme ça. C'était plutôt stylé. Voilà, voilà. Moi, j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Pouce bleu, abonnement. Et puis, bonne journée, bonne soirée. Et puis, à demain, comme d'habitude. Salut.